C'est un hommage aux copains d'abord. Et de notaire, j'aurais tort. Avec Christophe, nous allons toujours au bistrot Maël. L'amour de la poésie et des vers bien alignés. Et c'est le bistrot où l'on s'assoit, que l'on n'y touche pas, que l'on n'y touche pas. Mais quand on sort du bistronaé, on cherche des ou papa ou tête, des ou papa ou tête. Et puis peu à peu, l'alcool gagne notre conscience. Alors on danse, ce sont des moments magnifiques, agréables, je dirais même formidables. Christophe crie avec Adrène, Aline. Je dis, arrête de crier, elle a vieilli la gamine. Alors on s'assoit sur un banc comme deux vieux et l'on papote en regardant les étoiles dans les yeux. Christophe me dit et me redit des mots bleus. Moi, je suis le retraité, j'essaye de slammer comme je peux. Moi, je construis des marionnettes, il en pas bas. Pour terminer par, Señorita, dépêche-toi. Oh, oh, oh. Si t'es plus capable de fredonner le moindre petit air, laisse donc, Jenny faire. Le lendemain, nous allons voir notre pote Léo au haras d'à côté. Arrivé à la maréchalerie, on voit Léo. Ferré. Jean, son copain de l'Olympia, était là. Et par solidarité, Jean. Ferré. Est arrivé Nino, leur grand frère. Et c'est ainsi que Léo, Jean et Nino. Ferré. J'espère que vous trouvez le sabot de cheval. Délaissé, donc sans laisse, le chien de Nino s'en alla. On a donc tout cherché. Léo murmura. Avec le temps va, tout s'en va. À cet instant, ce maudit blues, c'est extra. Mais où est donc passé ce chien? Même Jean a fait appel à son pote, ce sacré Félicien. Et on l'a retrouvé dans le sud, près de la fontaine, ce con. Et de colère, Nino lui a crié, oh, elle est un bon. Attablé autour d'une bouteille de suki, on a causé philosophie. Ah, plutôt les amis de la connerie. Mais de là naissent et ont les plus belles poésies, les plus belles mélodies. Exemple, il paraît que Joe Dassin était indien. L'autre, et même si parmi eux, certains ont quitté le grand décor, je dédie ce slam aux copains d'abord.